freshest brain with the air conditioning. Ah. Yeah, yeah, because it's boiling up the air. It's like, pss, 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 pss. Oh, I got an idea here. Pss, 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 pss. Oh, I got to fax this guy. Pss, pss. Oh, I got to call this one. Pss, pss. Oh, I got to call this one. What? Ding. Ouais, c'est la deuxième fois. Première fois, c'était en 90, lors de la première tournée. De toute façon, c'est le seul club à Washington, il n'y a pas deux endroits pour faire des concerts pour les groupes de rock. Il n'y a que ça, le 930 Club. Globalement, il y a un potentiel partout. Maintenant, les villes où il y a le plus de succès, ce sont les villes... C'est ce qu'on qualifie de les gros marchés américains, c'est-à-dire c'est New York, c'est Los Angeles, c'est Chicago, c'est ici Washington, c'est Houston au Texas, c'est Chicago, j'ai déjà dit, San Francisco, Seattle, etc. quoi. Les villes où il y a une scène vraiment active et vivante. Paix sur la terre. Un synonyme d'être humain, je ne dis jamais un dieu, point à la ligne. Où est le tutiage?